Welcome to SFB News people. <laughs> like, share. I'm on the street. baby. <laughs> Welcome back to SFB News, guys. We are back, season 4, episode 2. You know what time it is? LJ Spenty. Mizogod. Yo, Mizogod, t'es es déjà up, hein? T'es déjà up, là? Ça commence bien, week one. <laughs> Alright, guys. On va parler de la NFL seulement aujourd'hui parce que les autres sports ne sont pas encore vraiment uh, on right now. La Champions League, ça commence, là? La semaine prochaine, la semaine prochaine. Anyway, week one, gros week one. Toutes les équipes étaient quand même serrées. Toutes les équipes étaient quasiment du même niveau. Il y a eu des upsets quasiment. On savait, ne on savait pas qu'il y avait des bloards comme ça. On pensait que tout le monde était du même niveau. On a vu que finalement, non, mais c'était une belle semaine. Defense était en top first week. Yes. Pour, quelques, pour la plupart des games. Yeah, majoritairement. Euh, bon, ouverture. Donc, semaine 1. Quelle équipe t'a le plus surpris so far Spenty, je vais commencer avec toi. Quelle équipe t'a le plus surpris cette semaine Bien ou mal les deux. deux. C'est ce que tu veux. <laughs> ouais. On va prendre le obvious, euh, le obvious answer. On va prendre les Bengals. Oh. Holy fuck, les Bengals peuvent pas commencer saison comme du monde. C'est ridicule. Euh, hein? Absolument ridicule. ridicule euh, là, ouais. Je comprends que T. Higgins n'a pas joué. Je comprends que Jomar Chase n'a pas eu un training camp parce qu'il est il pas était en train de hold out. Joe Burrow... Joe Burrow might have to uh, completely shave his head and start over with des, <laughs> des <chocs> new <en> <laughs> Parce que fumble, looks bad, bro. When you do conneries like that and then you perds, looks fucking bad. So my surprise, fucking Bengals. P, mm. oh, vas-y. Sorry to our audience who suivi the bet. It's my bet. Oh oui. yes Je me pardonne Les Bengals sont trash On va pas parier sur les Bengals Never happen again We promise I'm sorry Mais oh so god euh, Moi l'équipe qui m'a surpris C'est Les Bears um, Caleb Williams a réussi à gagner Je pense que c'est un des seuls rookies First overall pick Qui a gagné sa première game C'est audacieux C'est fondamental Laissez-moi finir monter Ok ok Je suis surpris bon. Parce que <coughs> okay. l'équipe a gagné Sans scorer aucun Offensive touchdown Voilà pourquoi j'étais surpris c'est une game que Carly Williams n'a pas été bon. Puis l'équipe l'a quand même fait gagner. Comme je je m'attendais à ce que les Bears aient une bonne défense cette saison. Mais quand même, de les voir gagner cette game-là sans que leur ait pu remettre quelque chose, euh, c'est ce qui m'a surpris plu le plus. Comme moi, je pensais que la game était, était GG. Puis ils ont gagné. Puis ils ont covered le spread. Et j'étais très surpris. Moi, ce qui m'a surpris le plus, vous êtes saisis Denver Broncos, Onyx. Bonix, qui est un rookie QB, à même si qu'il a perdu contre les Seahawks, il a joué une très très belle game. Il a joué, je trouve moi qu'il a même mieux joué que Caleb Williams. Il a fait des pass touchdowns, lui. Il s'est débrouillé. Il a fait ce qu'il devait faire. Euh, même contre une défense que Seahawks, jouait très très bien. Comme toute la, 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 la défense des Seahawks, like tackle, all the guys, they missed one tackle. Et Bonix a quand même réussi à faire un rushing touchdown et un passing touchdown. Oh, Bonix, j'avais des high hopes avec like Bonix. Puis Will Lewis, Will Lewis. Oh! Il a coûté la game yeah. au titan. Yes. Et Bonix, j'avais des high hopes avec ce que j'avais vu au plus. peut il qu'il trop de check down. Bonix, ouais. ouais, c'est un rookie QB. C'est un rookie QB. Puis il fait la job à la fin de la journée. Tu vois ce que je veux dire? Calloway a fait quoi? Il a gagné. Oh, come on! Come on! He won. Il a pas lancé pour plus que 120. <laughs> il a même pas de TD. Il arrête oh. de niaiser. Bonny, ça a pas lancé pourtant plus de verges que lui. Là. Mais il a quand même fait 101. Il, il, il a quand même eu 2 TD. Que son, son équipe a pas suivi, a pas suivi le, le check. momentum. Checkdown Brock Purdy. Il s'est rendu au euh, Super Bowl. Ouais, ah, mais so Brock Purdy, il, il fait plus des checkdowns maintenant. Man oui, man go, check il y a un level. Il y a un level. Mais il lance pas encore assez. Il en passe. Non, 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 tu tu bugs. Comment que tu bugs? Il a lancé 79. Il n'y a pas Lef. besoin de lancer plus que ça. Mais ça... Pour moi, là, un QB qui en pas fait plus que 20 en 2024, pour moi, c'est que as une bonne équipe pour tout de droit. Il n'y a pas complété plus que 20. C'est vrai. Il n'y a pas complété plus que 20. Et un vrai QB qui plus que 20. Non, non, non. Plus que 20. Mmh. Euh, son running back a couru pour genre 135 verges. Relax. Bon, c'est ça quand t'es un bon running back. hein une bonne team. Une bonne team. Alright, next subject, uptakes. First question. Packers sans Jordan Love. Pour ceux qui savent, my bird gang know what time it is. You know what time it is. Coco! We won. On a gagné au Brésil contre Jordan Love. On a donné une bonne raclée. Ils étaient chauds. Mm. Mais, euh, dernière, dernier, jeu de la, dernier jeu du quatrième quart, je pense, deux jeux avant, on l'a envoyé chez lui. Euh, malheureusement, c'est toujours, oh, <laughs> toujours vous qui avez le juillet. C'est toujours nous, oui, oui, Eagles, on fait un round, we We like that. Donc, so basically, uh, Johnny Love s'est blessé. Ça veut dire que vous allez perdre le Super Bowl. Ouais, 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 C'est ce qui est arrivé la dernière fois. On a blessé un joueur au début, Et vous avez blessé le QB, d'être êtes rendu à la, à la game d'après, vous avez perdu. Ah, ok, excusez-moi. C'est Excusez uh, 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 next week. <laughs> non, ça va pas ça <laughs> qui va arriver. Word game. La question, c'est. Uh, Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Malik euh, Willis comme starter? Mais Willis, pour ceux qui ne savent pas, c'était le. QB le Qui a été draft pour les Titans. Ouais. Puis qui a apparemment tué le, te le terrain. c'était affreux. On l'a remplacé par le third Street quarterback. Et il a mieux fait que lui. Pour que les gens ouais. savent de qui on parle. au euh, God. Euh, Ce que je m'attends, des, des... je pense qu'il devrait manquer comme 3, peut-être 4 semaines. Il va essayer de revenir le plus vite possible. Euh, je m'attends à, à absolument rien des Packers avec euh, Malik puis je pense que leur meilleure chance de gagner une game, c'est probablement est la game de cette semaine, parce que les équipes ne vont pas savoir à quoi s'attendre de Malik Mais s'ils perdent cette semaine, je, je m'attends à ce qu'ils perdent toutes les games, on que Jordan Love revient Moi, je m'attends qu'il ait signé un QB. Oh, waouh! Parce que c'est pas vrai que tu vas jouer... Euh, on, est euh, déjà, on est déjà mardi. <laughs> c'est <laughs> est, est ça qui est fou. <laughs> euh, le, le workload sur Josh Jacobs va être encore, euh, encore plus huge. Euh, moi, je vois que les Packers, sûrement, probablement, 0-4. 0-whatever nombre de semaines que Jordan Love va out. Tout ce que Spente a dit, j'approuve. Uh, guys, 0-4, Josh Jacobs, Jacob, uh, carry over. What, what are, whatever the number, c'est over. On appelle Joe Flacco. Moi, moi 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 joe flacco qui meilleur qui meilleur que willis j'ai vu j'ai vu tanahill tanahill oh, joe Hill. flacco j'ai vu les deux oh ouais moi ouais. j'appelle live Mais même le le petit qb quarterback des falcons euh, Penix. lui que je non tu as, as, as besoin c'était <laughs> <'as rire> trade ah, <Il rire> lui, non, lui, lui que je pensais pourrait c'était euh, dobbs dobbs oui dobbs je sais pas il est lui il était pas avec Vikings, la dernière fois qu'on l'a vu il est plus dans la team ah ouais. lui Yeah, on, a, on a donné une chance à, à Kendrick Tony, on peut donner une chance à un autre QB comme ça. Mm -hmm. right? So, ouais, 0-4, Matt Lewis, ouais, ça sert à rien. Il n'est pas bon, il n'est juste pas bon, malheureusement. Ouais, je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, mais je dis. dire. Non, ce n'est pas le quarterback pour avoir des victoires, malheureusement. Je ne pense pas non. Second question. Euh, les Bengals. Bon, 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 bon comme tu as dit, euh, le plus gros upset de la semaine, selon moi. C'est le plus gros upset, right? Ouais. Oui, c'est le plus gros upset. Ouais. Oui. Ben. Ben, you guys. Ben. Betting wise oui. Betting wise oui. On paper quelle équipe qui aurait pas dû, qui aurait dû gagner qui a perdu? Cards. Ok, ah, pas. Qui, qui aurait, aurait dû gagner? Qui mais qui, a qui, pas, qui ont perdu? Les cards. Les cards auraient dû gagner contre okay, les Bills. Mais je m'attendais, qu'ils gagnent, mais je m'attendais pas à ce que les, les, les Bengals soient, perform comme, soient nice, comme parce qu'ils font toujours ça. Chaque Chaque, chaque, euh, comprends. chaque année, ils commencent mal. Sois, je je m'attendais pas à ce qu'ils ils gagnent par double digits, mais je pensais qu'ils allaient quand même gagner. Voilà. Donc, vont-ils encore avoir un mauvais start comme les deux dernières années? Ils commencent toujours 0-3, 0-4. Et malheureusement, contre les Patriotes, euh, perdre 10 à 16, c'est absolument oui. Euh, tu ne peux pas te permettre de faire ça contre une équipe qui est en pleine reconstruction. Tu entends, là? Donc, une équipe qui n'a pas un QB, euh, un QB pour tank, malheureusement. Euh, ils ont pas ou une défense, mais une défense qui est normale et non élite, et des weapons normales et non élite. Et donc oui, je, je pense qu'ils vont faire 0-4. Et tant qu'ils ne signent pas Drummer euh, Chase, <laughs> okay, je... <rire> <rire> tant qu'ils jouent pas Drummer Chase, on a un problème. Drummer euh, Chase, réveille-toi sinon ton équipe va être in the mud. anti euh, Après avoir vu les. Je suis en train de checker tous les autres scores. Mm -hmm. euh, oui. Selon les scores, oui, les Bengals, c'est le plus gros upset, mais tu pourrais aussi dire que les Saints, et comment ils ont détruit oh, les Panthers. C'est pas un upset. Un... upset. C'est pas un upset, mais c'est un surprise. C'est un upset pour moi parce que j'ai pas les Panthers, mais... Ouais. <rire> <rire> yes. Mais oui, les Bengals... Uh... I'm, I'm still sorry. Ah non, mais les gars, je vous compte comment deux suis Panthers après. Impossible, fini finit. Ah, ah, Panthers, non. 1-3 comme N2 comme N2 no Jalen Daniels il va, il va se blesser mais jusqu'à temps qu'il se blesse il va être nice exactement euh, moi je vais aller avec euh... vrai, je vais aller avec uh, Dick, là dessus je sais pas s'ils gagnent leur première game cette semaine hmm. euh, tu sais les gars parlent beaucoup qu'ils voient genre comme, comme une compétition avec euh, Patrick Mahomes so, c'est là que tu deviens jouer, là. Comme tu t'as joué la pire game que tu as faite. Si tu t'es pour, si pour te gager pour le reste de la saison, parce que tout le reste de la saison, tu vas jouer. Vu que tu as fini quatrième, tu vas jouer contre les pires équipes de chaque division. Euh, là, tu joues contre le Top Dog. On attend à avoir leur meilleure performance. So. À l'île, à, à, je sais qu'ils vont finir comme tout et tout le stretch de 4 games. Je sais que, que c'est hors sujet, mais pas accepter ce que tu as dit là. <laughs> Selon toi, les Bengals qui ont donné du FATRA. Mm -hmm. Right, now, du, du, du right now. Right now. Right But now. now. Tu utilises les mots. Oui. Right now. FATRA. Euh, Chief qui a battu ce qu'on considérait un contender. Un un Il y a clairement plus de weapons, selon moi, présentement, parce que Higgins n'était pas là. Jummer Chase court ses routes à 70%, étant le bag. Euh, les gars font des fumbles par rapport. Cette équipe-là est moins bonne que les Ravens, on s'entend. Mm -hmm. Il va donner une cale. Non. Ok. Donner un, un petit bâton oui. au <laughs> Ravens. Et toi, tu penses que Menos va arriver Il va battre les Chiefs ben, Je pense qu'on a tout déjà dit. S'il y a un QB qui peut battre à home, c'est pas Goldilocks, Joe Burrow. Non, mais pas, c est c est Goldilocks. Avec les non, cheveux blancs, ça fonctionne pas, mais on a tout déjà dit. Si on devait prendre quelqu'un pour compter avec lui, c'est Joe Burrow. Bah, Josh Allen, mais vous voulez pas. jamais dit voulez so, pas. <laughs> Je vais keep, keep going avec Joe Burrow. Il a déjà gagné une game, il a déjà gagné à Arrowhead. Um, Lamar Jackson s'est prouvé qu'il n'est pas capable de battre. Il y a l'unheur de aussi. Um, ai C'est ça, so moi je suis, down avec, ah, je suis down avec prendre un shot là-dessus. So on va aller avec... Je euh, vous dis que je vais... On va voir. Ils finissent quand même tout et tout. Ils ne vont pas aller 1-4. Non, okay. non, il n'y a aucune chance. <rire> euh, <rire> quelle, quelle performance de la semaine est la plus floue, dans le sens que... Euh, quelle équipe que la première semaine... Que même si qu'ils ont perdu, disons, ou ils ont gagné... Je vais laisser la team à, à, à... it wasn't... It wasn't like, it wasn't supposed to happen. Je vais laisser la team à, à Nikki. Of course, tout <laughs> le monde va l'écouter. Tout <laughs> le monde va l'écouter, vas-y. Je vais laisser, je vais, je voulais, je 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 vais laisser, <laughs> laisser prendre la team parce que c'est tellement obvious. <laughs> euh, je pense pas que c'est... Les, les Saints, c'est la... C'est... Ben, c'est une des teams les plus floukies. Yo, bro. Euh, Avec ton upset, dis elle les, les basse dans une 47-10 Ouais, Bryce Young Bry a été absolument horrible. Horrible. Mm. Euh, je pense, pas jouer football. Je pense Sorry. que ça aurait... Oui, c'est ça que ça avait l'air, genre comme c'est quelqu'un qui dès qu'il voit une main passer devant sa face, euh, il voit plus rien. Puis ça, il garde la balle, il se fait sack ou il, il lance la balle. Oui, euh, mais à The End de the day, je pense que les, les Saints, ils ont commencé avec un turn turnover. Puis dès là, ils ont run away. Ils ont run away avec avec euh, avec la game. Mm -hmm. um, pour le reste, si oh. ils jouent bien contre les Cowboys, là je vais peut-être changer mon take, mais moi je pense que les Saints vont pas être, euh, vont pas être une top team comme ça. Je pense que leur defense est une defense qui age, donc so je pense que ils vont downgrade. Puis la game que les gars ont montré, um, ils ont sac Bryce Young quatre fois, mais c'est parce que Bryce Young devait lancer à chaque chaque possession, Ils comme il ne vont pas faire ça contre Dak Prescott d'après moi. So. Euh, oui, les Saints, c'est l'équipe. C'est obviously un flou. M'attends euh, à ce qu'ils soient une team un peu plus comme 500 at best. Ouais. Euh, moi je vais dire les Vikings. Je sais pas si c'était ça que tu t'allais dire, Nicky. Euh, les, les Vikings, c'est exactement la même chose que les Saints. Euh, ils jouaient contre une des pires équipes de la NFL. Donc ils jouaient contre les Giants. Daniel Jones, c'est le le QB le plus fraudulent de la ligue. Euh, en fait, il y a une grosse compétition oui, moi, entre, lui, entre lui et Deschamps Watson. Il <laughs> y, y a une grosse compétition. Ça, c'est un autre sujet que vous n'avez pas mis dedans. Mais comme non, uh, Dak Prescott aussi. Je suis parti. Je suis parti de... non, 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 non. Tu ne peux, mettre... <laughs> peux pas mettre Dak, Deshaun, puis, <laughs> puis Daniel Jones dans le même bateau. Bateau pour moi. Mais euh, je voyais des takes comme quoi que Sam Darnold était bon. Je voyais du monde dire que Sam Darnold, Justin oh. Jefferson. comme, je bro, c'est still Sam Darnold. Il faut pas oublier qu'il oh. est... est trash. Mm -hmm. euh, sur moi, les Vikings, euh, pas un flou win. Mais tu jouais contre la deuxième période de la NFL, qui sont les New York Giants. Euh, moi, je ne vais pas faire mon hater, bah, I'm a hate. Fuck shit, I'm hate. Moi, les gens. Euh... Si tu dis les Fallen Islands. Non! Dire pas non, non, ça. non, 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 pas Fallen Voici deux que j'aime pas en ce moment, qui ont gagné les Bears. Les Bears, les yeah, gars, j'espère qu'ils ont gagné. <laughs> qu ils sont bons. Je suis désolé, ils n'ont rien prouvé encore. Ils doivent toujours nous prouver. Moi, c'est offensively le problème. Oui, offensively. Defensively, ils étaient là. Special team, ils l'ont prouvé aussi. Mais offensively, Kyle Williams, clairement, ce n'est pas le number one uh, draft pick qui va changer la game du football. Non, tu es, es, es encore un simple rookie et t'as des croûtes à manger. Ouais, tu, il faut tu, que les gens soient calmes. Tu le vois sur le jeu, que, le sac qui a pris de genre 20 verges, il, il essaie de spin out sur, sur un defensive end, puis un defensive tackle qui le rattrape. Tu ne joues, joues plus avec des enfants. Voilà, avec ouais, ouais, des enfants. Il apprend, il Oui, oui c'est Rendu oui. euh, ben, week 5, il va être meilleur. Là. Le reste de l'équipe est élite. C'est ça, ouais. Si ouais. juste que la défense est déjà considérée top defense. Ouais. Il y a Comme... des weapons en offense. C'est juste Et lui qui va catch up. Et puis, voilà. Moi, moi, moi je, je vais bid, je vais pick up la Bears defense dans quasiment toutes mes, mes, mes fantasies. Parce que dès qu'ils qu sont capables de garder la balle un petit peu, puis garder la defense sur le banc, mm -hmm. quand la, la defense va de embarquer, ils vont être on fire. OK. Et l'autre que je voulais juste rajouter vite, vite, c'était euh, avant que j'oublie. Steelers. Gros win. Puis je pense pas que c'est un flou. Moi, je pense que avez dit Mike Tomlin and his defense c'est qu'il permet d'avoir le 500 I know les wicks qui yeah. sont bien moins difficiles les bears ça va être la même chose comme Russell Wilson qui a plus d'expérience si Justin Fields continue à être là c'est un problème mais dès que Russell Wilson revient they have a chance puis 500 On mm. up mon midfield goal 6 je pense qu'ils vont run avec Justin Fields <laughs> <pour rire> c'est fini pour Russell pour de vrai à part qu'ils n'ont pas marqué de points Justin Fields a montré déjà plus que qu ce que Russell Wilson a montré l'année passée parce qu'il peut courir oui c'est pour ça. Hein? Running back. Il a raison. Put him running back. Put him running back. All right. Spotlight player de la semaine, guys. Euh, qui est votre spotlight player? Donc, qui est votre joueur que c'est le answer de la semaine pour vous? Et il y a trois gars. C'est pas qui... qui, 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 qui Vas-y, commence. Un ou le Non. Week? Toi, commence. Euh, Prends ton boy. Prends euh, ton boy. De cette semaine et la semaine qui s'en vient. Okay. Je vais prendre les deux joueurs. Ok. Prends ton boy pour cette semaine. Moi, cette semaine, Saquon Barkley, baby. <fois> <mgris> je vais prendre qui que qui prend pas, je vais prendre. Saquon Barkley, fuck. Vous as ce que je vais dire, ça. C'est sûr. Vas-y, au va. Et puis, next week, une personne que je pense que vous devez euh, bet dessus qui a absolument rien fait cette semaine puis que là, je pense qu'il va qu'on veut. Euh, Travis Kelsey. Je pense que Travis Kelsey est dû... Pour avoir au you moins 6 à 7 catchs. On, les bangles, on les est Bengals. Les Bengals ont acheté du boost. On vient de perdre un super boost à cause de Travis Kelsey. Un catch, hein? Bruh, un catch. Uh, Corruption. <laughs> Corruption me dit où? Met 365, my guys. Who's Gray? Who's Watson? Tell me. Mm. <laughs> Who were they when Travis traveled Kelsey the field anyway? J'avais met Watson. Je sais, I know, you were happy. <laughs> So, ouais, so, Travis aussi cette semaine, regardez, elle, la semaine qui est passée, Second Barkley, 3 TD euh, contre euh, Packers, incroyable. Et okay, moi, je, je vais ben... aller, mon MVP cette saison, ben, cette game cette The semaine. Game. Josh Allen. Non, <laughs> 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 oui, oui, choke, choke, choke. Yo, choke on yourself. Um, so, uh, Josh Allen. Et la comme dont ils ont commencé la game yeah. je trouve que pour une fois genre il a tout, a montré de comme une maturité où il y, y a pas forcé les jeux genre il a été capable de d'être patient, patient I like that, I like lancer that. des comme lancer des deep shots juste pour lancer des deep shots um, hurdle yeah. the man c'est ça comme il a, a pris comme il était le running back le QB puis s'il aurait avait de receveur il aurait été le receveur de y la y team il a fini avec un euh, euh, <laughs> non un QB un QB rating over 100 aussi c'est ça wow. so, oh. ouais puis il a juste fait un, il a fait un fumble, il a pas fait de pick. Ouais, un, un fumble je pense. Ouais un fumble. Oui, euh, il, dit. il est quand même, il est revenu de la, dans la game puis ses receveurs c'est comme il, y a, il y a, nothing is proven là, il y a aucun genre top guy. So, on veut toujours dire que comme un bon qb est capable de lever ses joueurs. et fait ça this week, donc so, je pense que je vais donner Josh, Josh Allen. Good shot. good, good, et... good. Next week, mon gars, c'est euh, Bijan Robinson. Mm. Je m'attends à ce qu'il run over les Eagles. Um, vous avez gagné, mais genre, je pense que c'est les, les Packers. Les Packers ont laissé des, des oh, points. Oui. comme Votre defense a pas montré qu'ils étaient là-dessus pour commencer week 1. So, pour moi, Bijan Robinson va venir bail que cousin hey. uh, lundi. Euh, ben je suis surpris parce que je pensais pas que t'allais aller, euh, aller. <laughs> je vais je vais, en, je vais donner deux MVP cette semaine. Un, un défensif et un offensif. Euh, Cooper Cup, triple crown, euh, triple crown Winner. On avait oublié Cooper Cup. Il euh, y a quoi? 110 verges, un TD. 14 catch. Il y a, oh, y, y, y était partout. Puis euh, defensively, ben TJ Watt. Parce que si c'était pas pour TJ Watt, les styleuses étaient pas partout dans la game. TJ Watt, mon vrai. gars, c'est un monster. Il euh, y a même un play, ils l'ont ils collé offside. Le gars avait strip, sack, fumble, recover mm -hmm. sur le même play. Il était pas offside. Le ref l'a collé offside. Et à l'après de la game, il a dit oh, My bad, for real, si t'étais même pas offside, t'es juste cheat le count. Too quick. Mm -hmm. Too yeah, quick. Too quick. Mm -hmm. So TJ Watt, le Cup. La semaine prochaine, rookie Lad McConkie avec les Chargers va, va dead la game contre les Panthers. Il va les sauter. Parfait. All mm -hmm. right. Quick news, Justin Phil a été annoncé comme euh, QB partant again for week 2. Euh, il, il joue contre qui? Euh, il joue contre les Broncos. Broncos, est-ce que selon vous, Justin Phil va pouvoir euh, mener son équipe à une victoire contre les Broncos? Euh, tu as, as, ben, as déjà répondu à la question toi, tantôt. Mm -hmm. euh, la game va être tight. Je pense que les Steelers vont win juste parce que la défense des Steelers est beaucoup trop boostée pour un rookie QB. Là, je pense que j'ai envie... quelque chose veut... veut me faire dire Blancos, mais j'ai pas vraiment moi, j'ai pas vraiment aimé la game de Bonix. <laughs> uh, so si tu veux faire juste des check down, puis d'avoir de même dans les cadre de game plan autour de autour de ça. So si les, les, les Steelers perdent c'est parce que Justin field a fait des turnovers. So, si Justin field fait une game comme il a fait la suite. Pas de turnovers, sa défense est capable de donner le win. Parfait. Uh, week 2 Jordan Mason. Tu peux enlever ça. Tu peux enlever ça. Ouais, tu peux skip. Ok, parfait. Alright, so no more quick news. Now, game of the week. On sait tous la game of the week, on sait c'est laquelle. Non. Mais oui. Il y en avait deux, Loki, mais. Il y en a deux. Mais on va aller avec celle-là parce que c'est les champions, still. Et chaque fois que je joue contre une grosse team ou un gros rivalité, une game de rivalité. Cette game-là Oui. Je pensais que dire l'autre game. Laquelle La Bird Game. Ah, la Bird Game était tout aussi, mais. On va être logique. On va être logique et <laughs> tout. Uh -huh. So, Bengals versus Chief. Euh, bon, donc, guys, moi, vos points forts. Qu qui, qui, va, qui va gagner Pourquoi Quelle raison Est-ce que c'est parce qu'une des équipes joue mal L'autre équipe joue meilleure Mais Un coup de <laughs> <mon take. rire> On a donné notre déjà donné mon take. On a tout donné notre take. So, small recap. Basically, Bengals. Chase joue pas bien. Higgins est pas là. Joe euh, Burrow lance pas des ballons. Ben, il lance les balles, mais les gars font des fumbles. Mmh. Défensivement, la défensive de Joe Burrow, euh, de, de, ben, des Bancos, n'est pas disciplinée. Beaucoup trop penalty. Ils ont pas. Ils, ils laissent trop le QB euh, pour pouvoir les contourner. Euh, puis, tu comptes euh, Mahomes, qui est très mobile, puis qui sait bien esquiver. Et as les Chiefs, qui ont plein de weapons cette année. Mais ils ont pas voulu payer Joe Mixon, puis on dirait que ça commence à faire mal. Bro. Très, très mal. Chiefs, défensively, Chris Jones est un monstre. C'est un euh, defensive low complet, j'ai rien à dire contre eux autres. Et les petits, les petits weapons, Rashid Rice est venu Zary dire. Worthy. Zary Worthy. Worthy, les gars sont venus jouer. Et Kersi, cette semaine vous dit, va blow out cette game-là. On right. est tous d'accord que les Chiefs ont gagné. Per perfect, Ça, perfect. Moi, je prends un shot sur les Bengals. Je stick to it. It sounds good. <laughs> stick to it. Alright. Alright, so, um, on va <laughs> Guys. On vous revient dans un instant. Ça, le betting section. Yeah? All right, all right, guys. On va écouter Mizoga. Il est déjà là, guys. Il est déjà là. Yo, il keep pointing, keep pointing. On s'excuse pour les bets qu'on a, on a mis cette semaine. On a eu 3 <laughs> sur 4 et 2 sur 3. On s'excuse, right? But this time, it's going to be different. Different. Mizoga, on t'écoute. Okay, ben, pour cette semaine, les, les props ne sont pas encore sortis. Je vais devoir faire une vidéo. Moi-même, puis je vais l'envoyer. Oh, mais, mm -hmm. on va faire juste un recap sur ce qu'on avait mis euh, avait mis Derrick Henry pour faire anytime touchdown et a fait, il a fait le premier TD de la game puis après ça les Revenants ont arrêté de lui donner le ballon pour une raison mm -hmm. euh, mm -hmm. même chose anytime touchdown le même principe avec euh, Second Barkley les gars étaient mm -hmm. les gars étaient contents de l'utiliser mm -hmm. euh, ils ont même pas vraiment utilisé le touch push dans cette game là Soit comme ils l'ont fait une fois ils ont fumble <laughs> voilà mm -hmm. <laughs> c'est ça euh, après ça il y avait le mauvais bet j'avais dit j'avais dit je Johnson j pensais que Bryce Young avait au moins fait un step de développement euh, nope. non comme le gars il, non aucune connexion avec pour le reste de l'année la <laughs> on prend pas les penteuses <laughs> je, je vais devoir faire mon son parce que j'ai quand même cash un bet dans les penteuses lequel okay, under c'était Xavier Leggett de faire 15 verges ou ouais. c'était comme... genre 1.54 ouais, ouais, t'as besoin de quelque chose de vraiment minime là avec ce gars là comme toi. <rire> <rire> si c'est tout high vague Um, mm. Puis euh, le dernier qui était le. Le. le Mio, easy, easy. Mm. C'était Cooper Cup. 6 euh, catch mm. Il y avait 5 catch au premier quart. Um, et il a fini à 14. Couple <laughs> Crown. Easy, easy. So, ça, c'est right, ça. Les prochains bêtes, comme on vous l'avez dit, ils vont venir euh, durant la semaine. Stay tuned. M'excuse encore pour les Bengals. Mm -hmm. Et à part ça, t'as dit quelque chose. King Henry. C'est plus King, là. Là, c'est Peasant Henry, right? Ah, est-ce que c'est parce qu'il joue qu'à la meilleure, une bonne défensive Vous aussi, ça. ça. Mais comme à la base, on était déjà vers le... King Henry n'était plus King Henry, même avec Titan. Mais les Ravens, j'ai vu un report que John Harbaugh était comme... Tu sais, on n'est pas là pour l'utiliser comme Titan là. On peut vraiment utiliser comme plusieurs options. Puis il dit, ça va dépendre de la game. Il y a des games, Derrick Henry va courir genre 25 fois. ça dépend qu'est-ce que la défense au board fait. Parce que sur le RPO, si tu follows follow Henry... Lamar va garder le ballon puis il va courir pour 70 verres sur ta tête. Mm -hmm. Et si tu follow Lamar, ben c'est Derrick Henry qui va courir sur, sur 70 verres. So, ce que j'ai trouvé stupide de la part des Ravens, c'est que. Alors, t'sais, ils ont Derrick Henry, mais ils ont pas utilisé le, le thread de Derrick Henry pour faire le deep, le play action, comme le deep play. Qu'est-ce qu'ils faisaient C'était toujours des quick outs. Mm. So, mais leur. leur, 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 leur ben, on, on était ensemble, quand on écoutait la game, puis leur, euh, leur play calling était. Just ah, trash. Des ouais, steady ça. screen, des quick out des so check downs. Et le fait que tu veux tu peux faire play action avec Derrick Henry, mais comme ton play action, ça à quoi Il y a personne qui fait un, un, un jeu qui va deep. So. And Lamar um, can throw the ball. Ouf Oh, ça yes. à la fin. Là, ouais. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Yeah. All right. Uh, prédiction. OK. Prédiction, prédiction. First game, guys. Your team. Bills versus Dolphin. Sauf so, tu dis qui va gagner et un bet. Euh, Bills, short week. Euh, Papa Allen contre euh, Toa Toglafe. Toa. <laughs> <One more. laughs> euh, Who is like me? Le running, running back probablement vont jouer, mais sont, sont banged up. Dans hein, les Bills. Puis, hein, euh, Josh Allen over 1.5 passing TDs. Yeah. On va être déjà similaire. Uh, Josh Allen over 1.5 passing TDs. Et, mais je crois quand même euh, les Dolphins Moneyline, cette année, si euh, les Bills sont wounded, ils n'ont pas de, de receveur. Comme Tim, Josh Allen va devoir carry la team, mais il va falloir le faire travailler. Donc, si les Dolphins ne prennent pas euh, cette saison pour quand même gagner la division et avoir un meilleur seeding dans les playoffs, les euh, ben, Dolphins peut déjà commencer à penser à leur team. Moi, j'allais avec un bet très simple. Dolphins win for sure. And uh, Devon, Devon Akane. Et chain. chain. My goodness. Et Chain. <laughs> <laughs> I'm sorry, man. Et Chain. Uh, TD. Il va courir. C'est pas évident, ça, bro. Uh -huh. ouais, les, les Dolphins, c'est une des teams que je touche pas pour des Anytime TD. Je crois parce qu'ils ont trop d'options. Mais il y a, y a reste, tu vois, Tu regardes la game, tu vois il va donner le ballon à Et Chain. Tu vois il veut donner le ballon à Terry Sauf s'il y a deux gars. Tu peux point, point d'idée c'est ces gars là ouais. et euh, pour aller contre vous un peu je trouve que votre 1.5 c'est risqué parce que je trouve qu'ils abusent la course ces temps-ci ils abusent 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 so il y a plus de chances que si c'est pas un long shot it's going to be a run touchdown moi c'est là c'est moi c'est là que ça vient c'est parce que ça va être un high scoring game ça va être ouais. un open game je pense que Shakir va break un, un corner un db un corner, whatever puis. Je vais le puis après un autre TD à genre. Ah, moi j'ai regardé, j'ai tout simplement oh. regardé, puis je pense que c'est depuis 2018 toutes les games de Dolphins contre uh, Bills, Josh Allen a deux TD à la base. Il est over et stats don't lie. All right, Ra Ram versus Cardinals. Je vais y aller. Uh, Rams contre Cardinals, really? oh, oui, oui, uh, Cardinals, gonna win this one. Euh, après la manière qu'ils ont perdu en overtime, ils se sont fait courir dessus plus que 7 jeux sur 8 durant l'overtime. Mmh. Et avec la performance de Connor et de Murray qui sont deux running beasts, je ne crois pas que les hein, vont les arrêter au seuls. C'est pour ça que je vais aller avec Cardinals et je vais aller avec Over pour rushing attempt avec Con euh, Connor. C'est je, euh, je vais aller avec toi. Je vais aller avec euh, les Cardinals. C'est moi qui avais dit du, <laughs> du début de la saison que j'ai des, des hopes pour les Cardinals. Je vois ça commence euh... Cette semaine, euh, j'allais avec les Cardinals gagner la game, puis Faudrait, juste parce que le patin n'a eu aucune balle, je vais aller avec Marvin Harrison. Je vais aller contre vous. Rams, euh, je pense que <coughs> comme tu as dit, les, euh, les, les Rams ne peuvent pas stopper le, un running game, les Cards ne peuvent pas stopper un running game aussi. Karen Williams, anytime TD. Ouais. Bakene, je suis Lyon. Euh, Mes euh, ça c'est ça c'est la game que je circle beaucoup moi mm -hmm. euh, j'aime les j'aime les Buccaneers euh, cette semaine c'est étrange parce que j'ai j'ai beaucoup de vidéos où je bache que mes films <laughs> j'ai back les oui. Buccaneers de la semaine passée oui. et je les back encore cette semaine euh, pour cover le set euh, peut-être faire un upset euh, je pense que leur offense comme elle, elle est déjà en mode euh, que leur passing attack est déjà comme ready to go euh, les les Lions je, comme, je sais comment ils il jouent euh, il joue du man-to-man -man comme one-on-one. -on -one, ils envoient leur le, le, le rush, puis les, les corners font du man-to-man -man beaucoup. So c'est vraiment une affaire de ce que Mike Evans peut catcher one-on-one -on -one ball. Est-ce que Goodwin va cook les gars dans le middle of the field comme Cooper Copa? So. Euh, moi, je suis obligé de prendre euh, des Tampa Bay plus 7. Mais le meilleur le bet dans cette game-là, pour moi, c'est le over. Je pense que c'est over. Uh, Baker? Baker? Non, le over dans la game. Je... Je vais aller. Je vais dire vite, vite. Moi, ça va être Buccaneers aussi. Je suis un gros baker Mayfield Aider. Au et 51. Ok, ouais. parfait. J'allais dire over 50, mais. Euh, je trouve que j'ai pas regardé la game des box mais ils ont vraiment bien joué. Ils ont vraiment bien mené euh, la dernière game. Ils ont mm -hmm. mon pari. Ils ont struggle un peu trop contre une Rams capable, de bonne défense, euh, une offense aussi qui est à part Cooper Cup ils n'ont personne vraiment d'autre lorsque Puka n'est pas là donc les Box on va tout pour les Box euh, puis comme Nicky a dit je pense pas que la défense des euh, Lions peuvent vraiment j'aime le, le petit nouveau McMillan il il a la ah, nice là, ouais. donc, euh, ils ont beaucoup de traits, ils ont Kate Houghton comme tight end. ils ont les deux running backs, euh, Bruce Irving puis euh, Rashid White euh, j'aime l'équipe j'aime l'équipe des euh, des Bucks. Oh box puis euh, j'allais prendre j'allais prendre over 50 mais je vais prendre over 51. I Parfait. C'est ça bizarre qu'on ça pour les box. <laughs> ouais. <rire> Et c'est bizarre. Je quelque chose aussi euh, rajouter la sur les Lions, le petit rookie corner, uh, rookie first euh, qui sont en draft pour first round. Qui manque de discipline. Mm. Et grâce à lui que les Rams ont pu se rendre à la ligne de 1 trois fois je pense. So I'm just saying, les gars, les gars ont abusé. Il y a une chose que j'ai vu des, des... Et Tampa Bay, là, le risque, là. il y a trois joueurs que j'ai vu qui sont sur le injury report, trois, coins, ben, trois DB dans leur starting mm. lineup. up so. mm. Mm. Si les gars, je vous oubliez-les. <laughs> Faites juste mettre l'over. Comme okay. l'over, c'est le better bet. <laughs> <que> le... <laughs> Who's gonna win? Exactement. Et uh, last one, vite, uh, vite, Texans vs Bears. Um, je vais aller vite, vite, je vais aller avec Bears. Oh, excuse-moi. Gros... <laughs> tu as dit que tu ne crois pas aux Belges. Texan! Texan, <laughs> moi je me suis trompé. Texan! Ouais, euh, je vais aller avec Joe Mixon again, qui a détruit leur game. Uh, Texan, yards and attempt over. Le Joe Mixon? Joe Mixon. Oh, J'aime le, le bet. Ouais. Euh, je prends les Houston aussi. Sauf que cette fois-ci, je prends CJ Stroud. Uh, en fait, CJ Stroud over. Je vais prendre le CJ Stroud over passing yards. Je vais prendre les Texans Gang. Je pas le choix. Mais je, ça été, je pense que les, la défense va style. Eux aussi vont prendre aussi la défense des Bears. Je vais aller avec Mixon moins rushing head. Moi, j'ai un gros fader de Mixon. Je pense que euh, la raison pourquoi ça fonctionne, c'est qu'ils ont beaucoup d'options wide out. Il so, y a des soft box. Mais contre les Bears, les Bears vont être capables de quand même end -all et Ce qu'il y a dans, dans, pour les, les Texans. So, je vais aller avec Mixon Under Rushing Yard. Puis, mais quand même, les Texans devraient gagner ces games. Ok. Alright, guys. Now, nouvelle tradition. Mm -hmm. euh, on va aller avec. Tout le monde pour une team pour le Team Money Line Parlay. Last week, un de nous nous a, mm -hmm. <coughs> nous a fait fuck. En tout cas. Quoi? <laughs> Donc euh, bon bon bon, moi je vais aller cette semaine vers le easy Bet. Pas trop easy, pas okay. de pas d'affaire de, là. On va aller prendre les Chargers. chargers. <rire> <rire> ok, on va aller avec un plus difficile, mais qui va quand même rapporter assez beaucoup, je trouve, euh, à cause de, la, de les deux dernières performances. Je vais aller avec Jets over Titans. Tu veux pas? Moi aussi. Euh, peur, tu veux pas mettre quelque chose tu la peur déjà. Non, 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 non <laughs> Les Jets over les Titans? Over les Titans, yeah. Fuck. Just over the Titans. Bonico. C'est pas très impressionnant. C'est ça que je te dis. Mais. Okay. Et okay. même, tu lui… Ok, c'est bon, ok, <laughs> ah, c'est bon là... C'est ton feel. Non, moi je pense que les Jets devraient gagner cette game-là. Tu, tu parles des Steelers contre les Broncos, pourquoi tu prends pas les styleuses? Parce que ça aussi c'est difficile à dire. Mmh. oui je parle je dois m'écouter hey, je suis un analyste sportif comme vous les gars donne <laughs> la logique derrière mais en même temps moi je trouve que c'est pas un mauvais bet le Jets ou le Steelers le Steelers c'est quoi les gars 49ers ou Vikings bon voilà 49ers ou Vikings what's up now 49ers ou Vikings that's my bet ok ok bon moi j'ai allé avec euh, mon bet que je fais le, euh, Arizona Arizona Valley Lions so, on va aller avec un ils sont plus en de dogs Ah ouais. oh, Oui, really, for real. Je suis sûr que j'ai vu un 2Dog au début. J'ai l'impression parce que c'est moi, <laughs> moi, moi qui a <laughs> fait last week. En <laughs> tout cas. Euh, j'ai soit les Colts. Soit les Colts ou les Commander's. Les... Commander's. Non, Contre... non, 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 non. Colts. Ok. So, All right, so, pas. Contre les Packers sans QB. J'ai dit déjà, j'aime pas les Colts. Et A1 a bien joué. Ouais. Les Colts sont là. Jordan Love est pas là. Andrew Bluey, Theory, I, I run away from this. I run away from this. Prends les Commanders. <laughs> Prends les Commanders. Ouais, moi je suis dans les Commanders. Ok, so. Uh, commanders. commanders. 49ers. And si. Si les Commanders perdent. Mon Colts win. C'est votre faute. C'est votre ah, faute! C'est votre faute! C'est les autres! Ok, ok, ok. Vas-y, vas-y. Vas-y vas vas avec celui que tu fais. Colts! Moi, je suis les Colts. Okay, ok, so guys, Colts, 49ers, Arizona. Attard, alors, ça fait un, un combien? Ouais. En attendant, c'est à ton tour de choisir. C'est à ton tour, ouais, c'est vrai. 3.91. 3.91, guys. C'est un bon petit bête, un petit 20, ça fait fois quasiment 4. Un petit 50. live là. 100 et plus dollars. Let's go. Et là, comme d'habitude, on va faire notre nouvelle, notre nouvelle tradition. Uh, cards, est-ce que money or are we broke? <laughs> T'as cho choisi, oh, a... ouais, ouais, choisi le paquet? Ouais, c'est lui qui a choisi. Oh, by the way, ouais, ouais. Uh, Sam Laporta nous, nous, nous paye déjà quasiment la boîte. Nice, on That's est amazing. on est good. Alright, so uh, sur ce, je veux dire avant qu'on le fasse cette affaire-là, je veux dire même un petit final, like, share, subscribe, comment, et si vous voulez parler de cartes ou échanger, DM nous, ça va faire plaisir. Sur ce, we we out. Alright, guys, les cartes, les cartes. Are we getting money? Are we getting money or not? Okay, let's go. Javon Williams. Jevon Williams, misogad. Uh, C'est le running back des. Trash. C'est parce qu'il trash. Daniel Hunter. <laughs> Patrick mm. Willis. Ouh. Nice. Money. Jonathan Allen. Non, trash. Là, Jonathan Allen est bon. C'est pas le gars avec. Euh... Oh non. Windows. Non, je pensais à Josh Allen, ma bonne. Mm, non, non, non. La carte, on, voulait, on aurait aimé que ça soit bon. Evan Thibodeau. Evan Thibodeau Van... Van... est quand même bon, mais De... j'ai Regardez Ouais, Daniel ben, C'est quand même bon. C'est quand même très bon, okay. ça. Rashad Johnson. Non. Ion White Je ne sais pas c'est qui Non Ok un paquet d'all Mais peut-être Patrick Willis Patrick Willis Il est quand même retire Peut-être une capteur C'est un rookie Ce n'est pas son rookie card non Non c'est son rookie card Mais still, Ça peut quand même valoir Pour un fan de Giants Et pour un mec Des fans de Willis Parce que Willis était un des all famous Ouais Willis c'est ça Il jouait pas en 2022 Non C'est un old card On a été chanceux Alright guys, alright guys. So sir, we'll see if we gain money.